ça s'assombrit. Alors peut-être que les projets vont être changés pour demain et après-demain. Ouh, ça gronde, donc je vais faire la sage, je vais pas faire ce que j'avais prévu, parce que à 2000 mètres d'altitude, risque d'orage, hein, je vous écoute les bergers, je suis prudente. Depuis Sommelongue, au départ du sentier de l'instituteur. La vallée... Première soirée dans mon partner, ma petite maison qui va partout. Un bon baptême, sachant que je suis au hameau de Sommelonge, 4 habitants presque l'année. Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, donc départ pour un petit deux jours une nuit en haute de Bléone. Donc je pars de Sommelonge et me voilà là, alors que c'était pas prévu. Mais ça se couvre. Donc là. La direction du Puy de la Sèche, tête de l'Estro, qu'on voit pas. Et là, vous avez la vallée de la Bléone avec Digne, dans la direction de Digne. Je ne m'en lasse pas. Passer du foncé, voir du blanc. Le calcaire. Mélanger à cette terre noire.
Un petit chemin, oui, oui. Comme tu aimes. Bon, faut bien que je vous fasse un coup de chplouf, chplouf, chplouf. On va reprendre les bonnes habitudes, hein. Chplouf, chplouf, chplouf. Cette randonnée est vraiment super parce que on passe plusieurs ravins qui ont toutes, enfin tous leur charme. Et là, regardez, plouf, on se retrouve dans une forêt de pins. C'est vraiment superbe. Par la suite, je monte par là-haut. Le Galèbre qui, partant de grosses pluies, et selon la dame qui habite Sommelonge, il est un peu difficile à passer. Donc être vigilant là-dessus. Et là-haut, c'est bien ça. C'est là où j'irai dormir. Tour à 360 degrés sur le site hameau abandonné, l'Imméré, dont on voit ici le début des ruines. Et des tas de pierres correspondant sans doute à des anciennes maisons. Et je viens d'en bas, la Galèbre. Une petite pente bien raide en suivant tout simplement un ruisseau. Et là, les montagnes. Vous voyez? Eh ben, vous voyez rien. Hein? Eh ben, derrière, il y a les montagnes enneigées. Et voilà, ma vue. Ma vue depuis la porte. Hein? Sachant que je vais dormir sur cette partie-là, car la vue est dégagée. L'autre partie, le grand, la cabane par elle-même avec les couchages en hauteur, donne sur une montagnette directe, sur une prairie, donc aucune vue de l'infini. Alors que là, je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voulez le détail de la cabane et de la journée du lendemain? Eh bien, suite au prochain épisode. À plus !